je suis allée faire ce film pour la réalisatrice Stéphanie Pillonca, parce que j'avais déjà fait un film avec elle qui s'appelle Apprendre à t'aimer. C'était sur la trisomie 21. Et là, elle vient me chercher pour parler du cancer du sein. Alors je t'avoue qu'au début, je fais ah non, cancer, putain. C'est voilà, c'est lourd et tout. Et même elle dit mais c'est un film très solaire. C'est un film sur la sororité, sur ces filles se battent ensemble pour pas retomber malade. Mais voilà, je dis bon, ok, donc je regarde le documentaire qui a été inspiré. Enfin, le scénario a été inspiré. Effectivement, le documentaire, j'ai trouvé incroyable, bouleversant. J'ai trouvé ces femmes. Et en fait, c'est le cancer, le message du cancer, c'est que tu es propulsé dans la vie. Donc, en final, c'est un film très vivant, très fort. Donc, oui, donc Stéphanie Pillonca, avec qui j'avais déjà travaillé, voilà, c'était évident que j'allais repartir là-dessus. Non, jamais. Alors déjà, il paraît que quand on rame comme ça du côté du sein malade, ça fait circuler la lymphe et c'est pour ça que ça limite la récidive. Là, il faut savoir qu'il y a 20% de récidive dans le cancer du sein, ce qui est beaucoup quand même, et que c'est au bout de 5 ans qu'on est complètement guéri. Donc elles ont cette épée Damoclès sur la tête, ces femmes, et elles sont seules en fait et désespérées parce que leur entourage en ont marre de leur cancer. Et donc quand le médecin dit qu'elles sont guéries, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas guéries, elles ont 5 ans avant d'être totalement guéries. Un cancer, c'est arrivé sans prévenir, sans symptômes. Donc, tous les jours, on se dit, mais est-ce que j'ai de nouveau le cancer? Est-ce que je ne sais pas? Enfin, il y a un truc qui est vraiment impalpable et que seuls les gens qui ont été malades peuvent le comprendre. Et donc, elles se sentent seules et pas comprises par leur entourage. Ce qui vient, le mari dit, ça y est, t'es guérie, c'est fini, on n'entend plus parler du cancer, on va jeter tes médicaments. Et elle dit, bah attends, on va voir quoi, dans 6 mois, il y a un autre rendez-vous avec le médecin, on va voir à ce moment-là si je suis vraiment guérie, voilà. Donc c'est cette sensation-là que l'entourage ne comprend pas. Et ça met une vraie épée Damoclès. Elles savent qu'elles peuvent mourir à la prochaine annonce de médecin, potentiellement, voilà. Elles ont cette conscience de la vie, la fragilité de la vie et tout. Et donc, les mettre ensemble, c'est une libération. Et c'est là que c'est la sororité qui apparaît, c'est-à-dire que enfin, ces filles se retrouvent, se rencontrent autour d'une pirogue et à ramer pour ne pas récidiver. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, c'est la rencontre humaine avec des gens qui vivent la même chose que toi et qui te comprennent. D'un coup, elles se sentent plus seules. Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est que d'un coup, ouais, je pense que dans l'humanité, c'est ça, dès que tu rencontres tes âmes sœurs, quelqu'un qui te fait te sentir moins seule, qui te comprend, bah, je pense que tu es plus heureuse. Donc elles sont plus heureuses dans leur barque que chez elles. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elles sont là, elles rament ensemble et tout. Alors après, c'est du sport comme l'aviron, enfin, c'est des sports qui sont très sympas, mais je pense que c'est plus le côté être ensemble et se comprendre et ne plus se sentir seule qui est beau dans le Dragon Boat. Bah écoute, j'ai de la chance parce que je l'ai fait avec des actrices que j'aime profondément. Et Julie Gayet était une actrice avec qui j'avais déjà tourné il y a 20 ans, mais on s'est jamais perdu de vue, et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment profondément, puis que je respecte, qui est lumineuse, qui est devenue une grande productrice, qui est une grande actrice, qui est vraiment une très belle femme. Firmine Richard, que j'adore, et que j'avais déjà tourné avec elle dans Plan B. Lola Deverge, j'avais tourné avec elle dans Le Tueur du Lac. Bérangère que j'ai rencontrée, qui est une merveille, une fille très lumineuse, qui est beaucoup dans le développement personnel, qui est, voilà, que j'oublie d'autres, non j'en oublie, il y a Annie Grégorio que j'adore, que j'avais avec moi dans Apprendre à t'aimer et tout, donc on se retrouve avec des femmes de tout univers, de tout âge, avec des personnalités différentes, et il y avait beaucoup d'amour entre nous, donc moi mon expérience c'est vraiment une sororité d'actrices à ce niveau-là. Et toutes pour une cause, et on nageait avec des femmes, il y avait 3 femmes avec nous qui avaient vécu le cancer du sein, qui étaient des Dragon Ladies, donc ça soutenait encore plus le projet, quoi. Tabou? Non, je crois qu'on en parle bien, non? Je pense que c'est assez... ça se libère. Je dirais plus qu'on en a encore peur. mais ce film permet de montrer que ça fait partie de la vie, et que la maladie en général, et que voilà, faut juste l'affronter ensemble et le surmonter ensemble, et que ça fait partie de la vie, je dirais. Tabou, aujourd'hui, ça se libère hein, quand même. Hein. Ah ouais, à Venise, ce serait bien. Elles vont en Norvège, oui, c'est vrai qu'elles vont en Norvège, mais après, ils parlent... parce qu'en fait, le documentaire, c'est la course à Venise, c'est pour ça que je pensais ça. Oui, la course en Norvège aussi, après, j'ai pas envie d'avoir froid, moi. Personnellement, faire une course sur un Dragon Boat à Venise me plaisait plus qu'en Norvège. Mais pourquoi pas aller en Norvège avec des moonboots et une combinaison.